President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is back in session. The chamber now hands over the floor to the defense teams for the accused. The two defense teams will have two sessions in this afternoon. Dispose de deux sessions. First, you may not see the defense team for Mr. Nguyen-Chiele. Thank you, Mr. President. Maître Cooper. Good afternoon, President. Madam Witness. Bonjour, I only have very few questions for you. Quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Allow me to start by asking you a few questions about your marriage. Vous poser quelques questions à propos de votre mariage. You testified before the lunch break that you are still married to the same man you married in 1977. I also understood that he was from the same village as you were from. Can you tell us why this man was chosen for you to marry? Why him and why not someone, some other man from your village? Plutôt qu'un autre homme de votre village. Answer, I did not know about that. Je ne sais pas. It was the village chief who initiated the idea that I had to marry my spouse. Que je devais me marier. He was the one who paired to me with my husband. Et c'est lui qui and he went to tell a choisi our parents that we two had to get married. Il nous a dit que nous devions nous marier. And do you remember question. What the reaction of your parents was and what your own reaction was reaction when this was suggested to you? Answer. My parents did not object to the marriage. Mes parents ne s'y sont pas opposés. As my husband was related to my parents. Car mon mari avait un lien avec How about your own reaction? Were you okay with the suggestion? Was it all right for you? Étiez-vous à l'aise? Answer. Réponse. I agree with the decision of my parents. J'étais d'accord avec la décision de mes parents. Now going to the first nights. Question. After you married your husband. J'aimerais que l'on parle des Were you sleeping, the two of you, under a mosquito net? Dormiez-vous tous deux sous un moustiquaire? Answer, no. No mosquito net. Non, il n'y avait pas de moustiquaire. We spent time in a room with only blankets and pillows. Nous n'avions que des couvertures. And do you know why there was no mosquito net? Des oreillers. Question. Et savez-vous pourquoi il n'y avait pas de moustiquaire? Answer. There were no mosquito nets. Il n'y avait at that pas time. De moustiquaires. None at all. We were sleeping with our mosquito nets. Nous dormions sans moustiquaires.
So was that then also the reason that you didn't have mosquito nets at the first January dam work site, simply because there weren't any mosquito nets? Aussi pourquoi il n'y avait pas de moustiquaires au barrage du 1er janvier? Parce qu'il n'y avait tout simplement pas de moustiquaires. Yes. Oui, c'est exact. There weren't any mosquito nets. Il n'y avait pas de moustiquaires. And at the work site, our sleeping quarters had no mosquito nets. Nos dortoirs n'étaient pas équipés de moustiquaires. Now, my next question is about the period of time that you worked at the first January dam work site. De la période où vous earlier this morning, you said it could have been 4 or 5 months. Vous avez dit au début, is it also possible that it was a period of 3 months rather than 4 or 5 months? Plutôt que 4 ou 5. Yes, it was perhaps so. Peut-être. You cannot recall it well because it happened a long time ago. Je ne m'en souviens pas très bien, c'était il y a très longtemps. I understand, Madam Witness. Oui, were you told at the time why it was only 3 months, or not only, but why it was 3 months? Vous a-t-on dit à l'époque? That you were assigned to work? Vous aviez été envoyé After I was married, I was removed from my mobile unit. Après mon mariage, on m'a retiré de mon unité itinérante. I was assigned to work in a specific location far away from my place. Et on m'a affecté à un endroit qui était très loin de. Maybe my question wasn't framed well. What I meant to ask you is, were you told at the time why you and the others were assigned to work at the first January dam for a period of 3 months? Why 3 months and not 2 or not 4? Did anybody tell you? Est-ce que l'on vous a dit quelque chose? Sommes-nous le président? President, you may not proceed. Deputy co-prosecutor. J'ai une difficulté avec cette question dans la mesure où le témoin a dit tout à l'heure 4 à 5 mois. Maintenant, elle a dit peut-être 3 mois parce qu'elle ne se souvenait plus exactement la période. Et dans la question de l'avocat, c'est devenu 3 mois comme si c'était clair et affirmé que c'était une période de 3 mois seulement. Je pense que c'est très restrictif et que c'est, ce n'est pas conforme à ce que nous avons entendu. He should rephrase the question because it doesn't reflect what we heard the witness say. I will rephrase my question. Madam Witness, were you told at the time why it was a limited amount of time that you had to work pour une période limitée, and not an indefinite period of time? Do you remember what was that told to you at all, or vous you have no recollection? Vous souvenez-vous de ce que l'on vous a dit ou vous ne vous en souvenez peut-être pas du tout? Answer, I cannot recall it. Réponse, je ne m'en souviens pas. Do you know whether there was a system of rotation of workers? Savez-vous s'il y avait un système de... roulement, pour les travailleurs? Answer, no. Réponse. No rotation system. Non, il n'y avait pas de roulement. System. The one who worked there, was there until the end. Ceux qui étaient là y étaient jusqu'à la fin. I understand, but question. Was there a rotation of groups of workers? Mais y avait-il un roulement de différents groupes de travailleurs? You said that after you had been working at the first January dam work site, you were assigned to work in the rice fields. Le 1er janvier, on vous a ensuite affecté à travailler dans les riziers. Did that apply to all the people in your group? In other words, was the whole group rotated? Est-ce que le groupe, in terms of work, tout votre groupe a été affecté ailleurs? Answer, no. No rotation. Non, il n'y avait pas de roulement.
But those who were married were removed into another unit, that is the middle-aged unit, doing the rice farming. Qui allait faire de la riziculture. Thank you, Madam Witness. La défense. Is it? Merci. Let me rephrase. Did you, while working at the First January Dam, have a resting day every 10 days? Alors que vous travaillez au barrage du 1er janvier, aviez-vous un jour de repos à tous les 10 jours? Jamien. Réponse. Answer. Oui. Sometimes I had a one day des off. Des fois, j'avais un jour de was that the day that you also got a dessert? Some form of special treatment? Aviez-vous un dessert à l'occasion? In every 10 days, we were served with dessert. On recevait un dessert. And was that the day that you had a free day and that you were allowed to do whatever you like? C'était une journée où vous pouviez faire ce que vous vouliez? Answer, yes. Réponse, oui. Now going question. Back to the work site itself, is it correct that pour en revenir au chantier, every time the work started, every time est-il exact de dire qu'à chaque fois a break was announced, le travail commençait, one bell was used for your mobile unit and for all workers on utilisait une cloche pour at the First January Dam work site. Et tous les autres groupes au barrage du 1er janvier? Answer, yes, the bell was rang. Oui, en effet, on sonnait la cloche. When the break time quand c'était l'heure de la pause came, and then the second bell ensuite, was rang. Nouveau, to alert us to go back to work. Nous indiquer qu'il fallait retourner travailler. But the bell that question. Rang was that mais la cloche qui for sonne. All the workers from all the villages plutôt. And mobile lorsque units, l'on or was it only for c'était your unit? Pour tous les groupes, toutes les unités, ou simplement la vôtre? Réponse. Answer. The bell was rang for everyone. C'était pour tout le monde. That they had to go back to work. Tout le monde devait retourner travailler. Do you know question. A chief from a village from your commune? Connaissez-vous un chef de village pendant called, votre commune? Or Ho? Du nom de Hor Ho. Answer Ho. Il s'appelle I know this Ho. Guy. Oui, je le connais. Was he indeed a village chief in your commune? Était-il chef de village dans votre commune? Réponse. Answer. He was the chief at one at the work site. Il était un des chefs sur le site de travail. He also question. Gave testimony as to working times. And, I would like to read des heures de travail. What he has testified to and then ask your reaction on various points. J'aimerais vous demander de réagir à certains Madam Witness. Points que je vais évoquer. Alors. Mr. President, that is E3/5255. English ERN 0025 0046, French 0027227, Khmer 0023 9909. Question. When did question. Working hours begin and quand end? Les heures de travail, and then Or Ho answers.
They began work at 6:30 a.m. and continued until 12. They continued from 2 until 5 and from 7 until 10. He is, to start with the morning hours, he is saying that donc, cet homme the people in his from his village didn't start on 4 o'clock, but rather at 6:30 in the morning. There are other witnesses who say that the work started at 7. You said earlier it was 4. Can you give a reaction to the difference in starting time on a day que je viens d'exposer? Réponse. Answer. No, the work did not start at 7 a.m. Actually, 7 a.m. was the time that we had a 10-minute break. C'était là qu'on obtenait une pause de 10 minutes. And when I stopped working at that site, I have no idea. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce chantier après que j'ai cessé d'y travailler. And what about the lunch break? Was that between 11 and 1 or 11 and 2? Entre 11 et 13 heures ou 11 et 14 heures? Réponse. Answer. Lunch was at 11 a.m. La pause déjeuner and we resumed work at 1 in the afternoon. Et les travaux reprenaient à 13 heures. I put the same question to someone else from your unit, Mirs Leor. J'ai posé à Mirs Leor and, la même question que je vous ai posée. C'était quelqu'un d'autre. On 26 May 2015. At around 10:43, she confirmed that it was indeed lunch between 11 and 2. La pause déjeuner était de 11 à 14 heures. Would it be possible that lunch was between 11 and 2 rather than between 11 and 1? De 11 à 14 heures plutôt que de 11 à 13 heures? Answer. I had lunch from 11 to 1, and after that time I resumed my work. De 11 à 13 heures et à 13 heures je reprenais le travail. Did you question at the time have a watch? Were you carrying a Aviez-vous watch? Aviez-vous une montre à l'époque? Answer, I did not have a watch, non, je n'avais pas de montre. But the time was set very clearly. Mais les when heures avaient été établies bien they clairement. Rang the bell lorsque l'on sonnait la cloche, exactly at 1. C'était à 13 heures précises. But how do you question. Know it was 1? Mais comment savez-vous qu'il était 13 heures? Som Chien Lo Zhang Ma. Le président. President, Judge Lavange, you may not proceed. Oui, Maître Copé, j'ai l'impression que vous avez donné une lecture partielle de la déclaration de M. Aou. C'est bien la cote E3-52-55. C'est exact, c'est bien 52-55. Is that correct? 52-55? 52-55, yes. Oui, 52-55. Alors je lis ceci. And this is le travail what commence read à 6h30 du it. Matin jusqu'à 11h, puis ça recommence de 2h d'après-midi jusqu'à 5h, et pendant la nuit de 7h à 10h. Et je lis également ceci. Pour terminer le plan de la construction, les travailleurs étaient obligés de travailler de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures, puis de 2 heures à 5 heures d'après-midi, et la nuit de 7 heures à 10 heures. Est-ce qu'on a bien la même version? Is that indeed the right version?
I'm reading from the transcript. Maître Coppe, je lis la transcription. But didn't I, the second Mais sentence, to complete the dam construction plan, they had to work from four and I didn't read that. Pour terminer le plan de construction, four until 11. And we continued from 2 until 5. De 4 heures jusqu'à 2, ensuite from 7 until 10 p.m. De 7 à 10 heures. C'est ça? C'est sans doute un oubli de votre part. I believe that. I believe it is someone. It's a case of forgetfulness. Je crois sans doute, oui. Yes. Mais qui sait? Let me ask you a question about the time that you stopped. That was 5 o'clock de p.m. That is correct. Permettez-moi de vous demander à quelle heure vous avez travaillé. C'était à 17 heures, n'est-ce pas? Answer, yes. At 5. Réponse, oui. 5 heures. And night work, was question. That done regularly or only on special occasions? Était-ce fréquent ou simplement à l'occasion? Réponse. It was a regular. It was regular work. C'était fréquent, c'était régulier. Now I put that question. Same question to your colleague. J'ai posé cette même question à votre Mies Lehor. And she Mies said Lehor. She gave testimony also on the 26th of May 2015 at 10:45. She said that she agreed that night work was only done in special on special occasions. Pour dire que le travail nocturne n'était qu'à l'occasion. Is she right or are you right? Qui a raison? That was done regularly rather than on special occasions. Le travail nocturne était-il régulier ou était-ce exceptionnel? Answer, no special occasion. Il n'y avait pas d'occasion spéciale. I had to do night work regularly. Je devais travailler de nuit régulièrement. Then I think I will ask you now my last question, Madam Civil Party. Je crois maintenant que je vais vous poser ma dernière question. That in order to get rid of the flies, at one point in time, people sprayed pesticide. Les gens ont aspergé des insecticides. I never saw that they spray pesticide. Perhaps I went to work and I did not witness that. Des insecticides. Peut-être étais-je au travail quand ils l'ont fait. One last question when it comes to dernière question. The guards, the militia men that you said you saw. Qui vous dites avoir vu. Can you tell us how far away they were from the workers. Pouvez-vous nous dire à quelle distance ils étaient were they some were they standing for instance in between the workers or were they standing more to the side where the forest started ou à côté réponse answer they were at the far end où ils étaient away from us au fond ils étaient loin de nous. Do you remember whether they were also looking to the side of the forest to make sure that the security was in order to prevent the workers from outside threats? Do you recall any of that? Pour protéger les travailleurs de menaces venant de l'extérieur? Vous souvenez-vous de cela? Answer. I did not make any observation on militiamen. I was trying to work hard je devais travailler. Because I was travailler. Afraid that I would Dieu be refashioned. Car j'avais peur d'être refashioné. Thank you, Madam Witness. La défense. Merci, Madame le Député. My national colleague, Mr. Mon President, has some questions as well. Cambodgien a quelques questions à poser, Monsieur le Président. Sommes-t-il le Président? President, you may now proceed. National. Allez-y, Council. Maître. Thank you very much, Mr. President.
La défense. Good afternoon, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. My name is Liu Sawana. I am one of the National Council for Mr. Nguyen Chia. I have a few questions for you this afternoon. You have answered to some questions put by my colleague. You stated that the your chief paired you with your husband and they came to discuss with your parent, and you also said that you agreed with the decision of your parents. So it was the decision of your parents and your husband's parents that you agreed to get married. Is that correct? It was not the decision of the chief. Answer, yes, it was the decision of my parents. C'était la décision de mes parents. President, you may now proceed. Le président. Co-prosecutor. Monsieur le procureur, vous avez la parole. C'est malheureusement trop tard, Monsieur le Président. Unfortunately, tout à l'heure, il a bien dit que c'était le chef qui avait choisi et qu'ensuite, ses parents avaient été informés du choix fait par le chef et qu'après, elle avait accepté parce que les parents soit avaient accepté, soit n'avaient pas osé dire non. Voilà ce que nous avons entendu, donc la question ne me paraissait pas tout à fait juste, elle était orientée. And the question that counsel has just put to the witness is clearly a leading question. President, you may not see it, Judge. La parole est au juge Laverge. Je crois que nous pouvons continuer puisque en fait l'objection est devenue sans objet. I think we can continue because the objection is now moot. President, you may now resume your line of questioning, counsel. Maître, vous pouvez reprendre votre interrogatoire. La défense. Counsel, thank you. I would like to resume my line of questioning. Je vais reprendre en effet mon interrogatoire. There are some witnesses coming to testify before this chamber, and some of them said that they did night work during the bright moon season. And as for you, you stated that you had to do regular work at night. Que votre travail nocturne était régulier. Was there any light turned on at that time? Y avait-il des lumières? And how could you do the work if there was no light? De la lumière, y avait-il pas de lumière? Comment pouviez-vous faire votre travail sans lumière? President, please wait, Madame Winnet, you may now proceed. Veuillez attendre, Madame le témoin, la parole est au procureur. Merci, je ne veux pas interrompre à chaque fois, mais si les avocats de la défense se réfèrent à un témoignage précis en disant qu'il y avait un travail peut-être sous la lumière de la lune, il faudrait nous dire quelle est la référence, quel témoin a dit cela, quand, à quel moment, et ne pas rester dans le vague. Donc je pense qu'il faudrait reformuler cette question de manière plus neutre, parce que nous n'avons peut-être pas tous entendu la même chose devant cette chambre. Because we haven't heard the same testimony given by this witness in this hall, this courtroom. President, you may repress your question so that the witness can give her answer. Posez votre question à nouveau, maître, pour que le témoin puisse y répondre. Counsel, la défense. You said that you did night work. Donc, so was there any light? De nuit. Y avait-il de la lumière? During the time that you were working at night. De l'éclairage. Quand vous travaillez. Réponse. Answer. I did the night work. There was light turned on for workers, and the light was attached to. Et la lumière. Poles, and sometimes des projecteurs ou des ampoules étaient rattachés à des poteaux. We got injury because we were hit by rock. Et il nous arrivait d'être blessés par des éclats de rochers. Quand il prend mal, le frère Ban
Counsel, you stated this morning that the one who was seriously ill was referred to the hospital and he never returned. I would like to know whether there were any of your colleagues that fell sick. J'aimerais savoir si certains de, des autres travailleurs, certains de ceux qui travaillaient avec vous sont tombés malades. Réponse. Answer. No one got serious illness in the, my unit. Personne au sein and de mon unité n'est tombé got fever and abdominal pain. No one got serious illness in my unit. Des fièvres, mais personne n'était gravement malade. Question. Question. This morning you testified that people with serious illness matin, who were sent to the hospital and never returned. Did you hear about it or did you actually observe the situation? And if so, please give us some names. Et si tel est le cas, veuillez nous donner les noms. Answer, I did not witness it myself, but there were other workers in other units who were seriously ill and were transferred to hospital. I did not know their names, and in my group nobody fell seriously sick. So I only heard about it, and I heard that the hospital was far from the work site. J'ai entendu dire que l'hôpital était loin du chantier. Question. And why did you say that you didn't see them returned to the worksite? Et pourquoi avoir dit alors que vous ne les aviez pas vus revenir sur le chantier? Answer. They were sent away and I did not see them return. Et ils ont été emmenés, je ne les ai pas vus revenir. Question. You said each group or unit was not allowed to make any contact. Vous avez dit que les groupes, please, les unités enlighten ne the court how you knew that those seriously sick workers did not return to their respective unit. Personnes gravement malades n'avaient pu rentrer dans leurs unités respectives. Answer. What else can I say? Réponse. I didn't que see them return. Dire d'autre? Je ne les ai pas vus revenir. C'est tout. Question: can you give the court then name or names of those people? Pourriez-vous citer des noms? Nous donner les noms de ces personnes, de certaines d'entre elles? And I cannot remember all those names. Je ne me souviens pas de tous ces noms. Je les ai tous oubliés. Question. Was that worker question. Male or female? Ces travailleurs étaient-ils des hommes ou des femmes? Answer: the majority of the seriously sick were réponse. Female. La majeure partie des personnes qui étaient gravement malades étaient des femmes. Question. How far was that group question. Away from your group? I refer to the à group where the members of the group were seriously ill. Au groupe des personnes parmi lesquelles certaines sont tombées gravement malades. I cannot tell you réponse. The proximity. It's been a long time. Je I ne peux pas vraiment it. Vous répondre. Cela fait trop longtemps. J'ai oublié. Question. Question.
You yourself were born in Troc village, Balang commune. And during the DK regime, you lived there, and at present you are still living there. Je vois que vous vivez toujours là-bas. Could you kindly tell the court before the construction of the first January dam? Dire si avant le chantier de construction du barrage du 1er janvier. It difficult for peasants in your area do the farming? La vie des paysans était difficile dans votre région. Answer. Before the construction of the dam. Réponse. People avant in la construction my village du barrage. Engage in les the mutual farming, if my recollection is correct. Travaillaient en commun, si mes souvenirs sont bons. Question. Was water sufficient for the irrigation? Est-ce qu'il y avait suffisamment d'eau pour l'irrigation? Answer, yes. Réponse, oui. Question. My question to you is that was there sufficient irrigation system and water before the construction of the dam? And if so, what was the source of water? La construction du barrage, et j'aimerais savoir si oui, d'où venait l'eau. There was enough water, and mainly the source of the water was rain. Et l'eau venait surtout des pluies. Was there any year that your area was hit by drought? Votre région a-t-elle jamais été touchée par la sécheresse? Si oui, en quelle année? Answer. Indeed, there was sometimes the rice yield was not that fruitful due to drought. Effectivement, la production de riz n'était pas toujours excellente, notamment à cause de la sécheresse. So the farming in my area was very traditional. C'est la raison pour laquelle l'agriculture restait très traditionnelle dans ma région. The season. C'était une agriculture qui dépendait des saisons uniquement. And what about the situation after the dam construction? Et qu'en a-t-il Did été après la construction du barrage? Still relied on rainwater or relied Les habitants on de the votre water région ont-ils continué à dépendre des précipitations pour leurs activités agricoles ou bien ont-ils pu profiter du barrage? Some peasants relied on water source from the dam for their dry season farming, and during the rainy season farming, they relied on the rain. Mais lorsque c'était la saison des pluies, ils dépendaient des précipitations. Question. Do you have any knowledge as to which districts actually use water source from the first January dam? Savez-vous quel district utilise l'eau du barrage? Answer: I do not have that knowledge. Réponse: Je n'en sais rien. But I know people in Barai district use dam water. Je sais que les gens du district de Barai utilisent l'eau du barrage. Question: What about peasants Question. In Santok district? Et they relied on du water source from the dam. Peuvent-ils utiliser l'eau du barrage? Answer: Indeed, they also use water source from en the effet, dam. Ils utilisent l'eau du barrage. And may I also add that peasants in the Santok district J'ajouterai mostly relied on the water source from the dam. Utilise principalement l'eau du barrage. Question.
through your observation of the current situation, how many harvest could peasants achieve per year by relying on the water source from the dam? Combien de récoltes les paysans peuvent effectuer en s'appuyant sur l'eau du barrage? And so they actually could do two farmings per year. Ils peuvent obtenir dry season rice farming and rainy season farming. Council, thank you, Madame Witness and Mr. President. Merci, I am done. President, thank you. The floor is now given to the co-counsel for Kyiv Support Defense. You may proceed, Council. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Bonjour, President. Madame. Good afternoon, witness. Je m'appelle Arthur Verken, je suis un des avocats de Monsieur Kyusampan. Je n'ai pas beaucoup de questions parce que la plupart des questions que j'avais préparées vous ont déjà été posées. Have already been answered. I still have a few remaining questions, however. Je serai donc assez rapide. Ma première question porte sur vos enfants. Je crois que vous avez deux enfants. Focuses on Mais your children. Tout à l'heure, vous avez indiqué une date de naissance unique en 1981. However, you mentioned one single birth date in 1981. So, are both of your children twins, or les dates de naissance de vos deux enfants, can you give us the specific birth dates of your two children? I have two daughters. J'ai deux filles. But I cannot recall the year they Mais je ne me born. Souviens pas de l'année dans laquelle elles sont nées. If you count it according to the Khmer zodiac. Si l'on s'appuie sur le zodiac, le calendrier astral Khmer. Non mais. Namrok. One was born Je peux in vous dire the que l'une d'entre elles of, est née red, and the other one pendant was, l'année du born in the year of the rooster. Et l'autre pendant l'année du coq. Je vous remercie. Thank you. Est-ce que l'une de vos filles est née pendant le régime du Kampuchea démocratique entre 1975 et 1979? My daughters were born after the fall of the regime. Après la chute du régime. But my apology to you, I cannot recall the year. Je ne me souviens pas des but années précises. But I knew one was born in Tout the year of que rooster. Est née pendant l'année du coq. And the other one was born in the year of rat. L'année du rat. Je vous remercie, ça me convient. Thank you. That suits Très bien. Je vais passer well. À un autre sujet. I'm not going to turn to another topic. Comment est-ce que vous vous soigniez avant 1975, lorsque vous tombiez malade? Est-ce que vous vous soigniez de manière traditionnelle ou est-ce que vous alliez dans un hôpital? Would you resort to traditional remedies or would you go to a hospital? During the regime, I rarely fell sick. Sous le régime, je suis And vraiment tombé malade. Even before that, when I fell sick, I would seek traditional treatment. Je me faisais soigner de façon traditionnelle. Et autour de vous, dans votre village, est-ce que les gens qui tombaient malades avant 1975 allaient à l'hôpital ou se soignaient aussi de façon traditionnelle? The people who fell ill before 1975, would they resort to traditional treatment or would they go to the hospital? The hospital was far from my area and the modern medic was scarce at the time. Il n'y avait pas beaucoup de médicaments modernes en ce temps-là. And only when
an individual fell seriously sick, then that individual will be referred to a modern hospital. À un hôpital moderne. Et vous pouvez nous dire où se trouvait cet hôpital? Tell us where this hospital was located? Dans à quel endroit? L'hôpital du district était loin de ma maison. The proximity was about 5 kilometers. Peut-être à 5 kilomètres. Devant cette chambre est venu déposer un témoin. A witness came to testify before this chamber. Sang. Utsang. C'est la cote. This is index E1. E1. Barre de fraction 309.1. 309.1. C'était le 3 juin 2015. Et aux alentours de 10h50 et 35 secondes, on lui a posé des questions sur les unités médicales mobiles qui venaient sur le chantier du barrage du 1er janvier. Voilà ce qu'il a, voici la question et la réponse qui a été faite. Je cite. Et les gens de cette unité médicale mobile, est-ce qu'ils se déplaçaient sur le site pour venir faire des injections? Réponse, l'unité médicale mobile se trouvait sous un abri. Les personnes qui étaient malades, qui avaient besoin d'une piqûre, devaient se rendre à cette unité mobile et c'est là-bas que leur piqûre était faite. Voilà ce que j'ai appris à l'époque. Question. Est-ce que vous savez si l'unité mobile disposait des équipements nécessaires pour stériliser les seringues utilisées pour faire des injections? Réponse, oui. Answer, yes. Et comment procédait-il à la stérilisation? Réponse, les aiguilles et les seringues étaient mises à bouillir chaque fois qu'elles étaient utilisées. Je voulais juste, donc fin de citation, et ma question, madame, est de savoir si vous avez eu affaire, vous, dans votre unité, à ce service médical mobile dont parle ce témoin, ou est-ce que vous n'avez pas eu à rencontrer ces gens was speaking about, or you never, came across this unit? No, I never went to a mobile medical unit. As I told the court earlier, I rarely fell sick. Je vous remercie. Thank you. Mais vous en avez entendu parler ou But même did you pas? Ever hear about this unit or never? No, I did not hear about it. Non, je n'en ai pas entendu parler. Merci. Je voudrais vous faire préciser un point sur lequel vous avez témoigné à l'instant, mais je voudrais une clarification. Il s'agit de votre jour de repos. Donc vous avez parlé, et je crois que ce matin, en répondant aux questions, vous disiez que pendant ce jour de repos, vous retrouviez votre mari. Puis tout à l'heure, cet après-midi, vous aviez l'air de dire que, en fait, vous aviez quitté le chantier du barrage le 1er janvier assez vite après votre mariage. Et je voulais savoir si vous avez eu... Que vous précisiez ça, parce que j'ai bien compris. Est-ce que vous avez eu le temps de passer des jours de repos avec votre mari, ou est-ce que vous avez été affecté ensuite au même endroit? Est-ce que vous avez été séparés? Bref, pourriez-vous détailler ça? Were you separated from each other? So can you please clarify this? Yeah.
When I was allowed to rest, I went to see my husband. J'allais voir mon mari. And after that, I returned to my quarters. Je rentrais. And that did not last for long, since I was later reassigned to various other locations, namely engaging in rice farming. J'ai dû aller faire de la riziculture. That is after ailleurs. I was reassigned from working at the dam site. J'ai cessé de travailler sur le chantier du barrage. Et votre mari, lui, a continué à y travailler? And your husband continued working there, or not? My husband did not work at the dam construction site. Mon mari ne travaillait pas sur le chantier in the rice field. Du barrage. Il travaillait and mostly dans les rizières. He was asked to do dry season farming. On lui avait surtout demandé de s'occuper de la rizière, de la riziculture de saison sèche. Est-ce que pendant la période où vous l'avez vu durant ces phases de repos tous les 10 jours, est-ce que vous vous retrouviez au village, dans votre village commun? Would you meet in your village, in the village you both came from? We met at my house in Tras village. Nous nous sommes rencontrés dans le village de Tras, chez moi. Et au village où vous vous retrouviez, qui était votre village and d'origine, vous disposiez village, d'une moustiquaire? Your home village, did you have a mosquito net? During the regime, there was no mosquito net. Sous ce régime, il n'y avait pas de moustiquaire. Ensuite, lorsque vous-même avez été réaffecté dans cette rizière, après avoir travaillé au site du barrage, vous avez alors cessé de rencontrer votre mari, vous avez continué à le voir régulièrement? Or did you continue seeing your husband on a regular basis? I was still allowed to go and see him. J'avais encore le droit d'aller le voir de temps en temps. Je crois que j'en ai terminé avec mes questions. I believe madame, I'm done vous with my questions, witness. Thank you very much. I am done. President, thank you, Council. Le président, merci, maître. Saunakasrap Sakhikam. President, the hearing of testimony of witness Kong Ut has now concluded. And Madame Kong Ut, the chamber is grateful of your valuable time to testify before us as a witness during en qualité this de whole témoin day, and your aujourd'hui. Testimony may contribute to understanding the truth in this case. De la vérité en l'espèce. The time for your testimony is now concluded, votre and the chamber touche à sa fin. Wishes you all the very best and safe journey back home. Et un bon voyage de retour chez vous. Court officer, please collaborate Monsieur with the WISU en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins to make necessary transportation arrangement for the witness to return to her residence. Pour qu'elle puisse rentrer the chez hearing elle. Today adjourns now. And nous allons lever l'audience. We will resume nous on Monday. Lundi 27 July 2015. The chamber would also like to inform la chambre the chamber
that from Monday next week until the 24th of July de lundi prochain, 2015, juillet 2015, the chamber will have a judicial recess, so there will be no hearing during this specified period. Pas d'audience à and cette the période. Proceedings will resume on the 27th of July. Le 27 juillet. By then, the chamber will hear testimonies of witnesses and civil parties regarding the Trapiansmoor Dam work site. And the chamber has already notified the parties regarding the list of civil parties and witnesses for this segment of the hearing. Security personnel, you are instructed to tell the two accused, that is Nunji and Kyosung Pon, back to the detention facility and have them return to attend the proceedings on Monday 27 July 2015 before 9 o'clock. Avant 9 heures. The court is now adjourned. L'audience est levée.